du transport dans une ville. Répondre au défi de l'habitat dans la ville de Kinshasa, une équation qui va bientôt être résolue grâce au génie politique et mathématique d'André Kimbuta. Ce dernier a rendu visite au siège de l'entreprise Unique, cette entreprise qui a par le passé construit le palais du peuple de Kinshasa et le stade Kamagnola, aujourd'hui stade de Martyrs. Cette dernière va investir dans la construction de logements sociaux à Kinshasa. Toujours à Pékin, le gouverneur et sa suite ont été reçus par le Fonds de développement sino-africain, un organisme de financement de projets en Afrique, disposant de ressources qui dépasseraient celles de la Banque mondiale. Cette structure est disposée de financer le projet prioritaire de la capitale congolaise, ainsi que les hommes d'affaires chinois désireux de réaliser des affaires en Afrique. Après avoir convaincu le fonds sino-africain, André Kimbuta a eu près d'une heure pour convaincre les hommes d'affaires chinois organisés en chambre de commerce non gouvernementale et leurs membres. À l'issue des échanges, les hommes d'affaires chinois se sont dit disposés et intéressés à investir et réaliser des affaires à Kinshasa. Puis la délégation de Kinshasa, conduite par un gouverneur aussi déterminé que convaincant, est arrivée en Guangzhou, une ville de 18 millions d'habitants, première puissance économique de la Chine. Très ouverte au monde, de par sa situation géographique, c'est-à-dire située au bord de la mer. En Guangzhou, André Kimbuta a ouvert la série des activités par la rencontre avec le directeur des affaires étrangères. Les deux partenaires ont échangé sur les possibilités de collaboration et d'échange avec Guangzhou. Il sera question de créer une zone économique où les produits chinois pourront être écoulés sur le marché congolais. D'autres activités également sont prévues, notamment l'aménagement de ports fluviaux, création de centres d'affaires, de malls et plusieurs commerces. Le tout s'est concrétisé avec la signature du protocole d'accord qui lie désormais les deux villes. Lesquels protocoles a signé entre le maire de Guangzhou et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Grâce à son expertise avérée, Guangzhou accompagnera Kinshasa aussi dans le secteur du tourisme par l'amélioration du site touristique et des hôtels, dans celui des infrastructures par la construction de routes avec péage. Le secteur de culture et de la nouvelle technologie bénéficieront également du savoir-faire chinois à travers la construction des salles de spectacle modernes. Il sera également question de modernisation et de construction des stades municipaux et de formation de la jeunesse à la nouvelle technologie. Et d'autres métiers artisanaux sont également inclus dans ces partenariats. Dans les secteurs de la santé, un grand hôpital sera construit à l'ouest de la ville et la construction d'un laboratoire de certification et de contrôle de produits pharmaceutiques sera également érigé à Kinshasa. Les secteurs de l'agriculture et de la pêche seront améliorés grâce à la création d'un mini-parc agricole à Kinshasa. Enfin, le secteur de la protection civile sera également pris en compte. À Shangrao, la délégation de Kinshasa a palpé du doigt le secteur concerné par la coopération qui lie les deux villes. À la commune de Kofin, commune jumelle à celle de l'Unité, les échanges ont porté sur les opportunités qui offrent Kinshasa dans sa diversité. Les opérateurs économiques de cette ville ont échangé avec la délégation de Kinshasa. Ces derniers sont disposés à investir dans les secteurs du bois, du traitement et de transformation du bois, de la culture agraire et de l'élevage. La délégation a eu également à inviter l'association de producteurs de thé qui sont intéressés à investir à Kinshasa. Ensuite, la délégation de Kinshasa a visité tour à tour l'usine de production de thé et de vin où l'émergence de la Chine apparaît au grand jour. Le secteur de production pharmaceutique a reçu les Chinois qui ont vu comment les médicaments sont produits sur place pour le bien de la population chinoise. La réflexion et le marketing menés par le numéro 1 de Quinois à travers les différents contacts dans les différents secteurs vont permettre les débuts d'un partenariat gagnant-gagnant. Après le périple dans les deux premières villes chinoises, la délégation est arrivée à Shangrao le vendredi 24 juillet à 20h. André Kimbuta a été accueilli par le maire de cette ville qui est venu, selon ses propos, accueillir un frère et un ami, car Kinshasa et Shangrao ont déjà signé un protocole d'accord. André Kimbuta et Major Michengeji ont fait l'état de lieu de coopération
qui lie les deux villes. Après l'étape de travail des experts, l'heure est arrivée pour la réalisation de projets retenus. Les discussions entre les deux délégations ont continué autour d'un banquet organisé à l'honneur du gouverneur de Kinshasa. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir le gouverneur de la ville de Kinshasa. La ville de Charon et la ville de Kinshasa ont de très bonnes relations. Avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, nous sommes des vieux amis. Nous avons des collègues et des collaborateurs qui sont déjà partis à Kinshasa. Et quand ils sont rentrés, ils nous ont déjà donné les rapports que la ville de Kinshasa est très belle et les gens sont très accueillants. Il y a trop d'opportunités. Alors, dans ce cas, les deux villes travaillent en collaboration, c'est très bien. Je vais chercher la première occasion pour que les gens aillent là-bas avant. L'année prochaine, je l'assure que je vais à Kinshasa. J'ai déjà préparé ce qu'il faut et il ne sera pas déçu. Le secteur de transformation du bois en plein essor s'est dévoilé aux yeux de visiteurs quinois. Ici, l'art et l'utilité sont mêlés grâce à un savoir-faire unique en son genre. Cette expertise sera transférée aux quinois dans les jours qui viennent. Le secteur agricole avec la production du riz, de raisin, des légumes et des bambous alimentaires ont été également visités par la délégation de Kinshasa. Pour tout dire, la moisson a été abondante au regard des accords signés et des engagements pris. Concrètement, l'axe Pékin-Guangzhou et Shangrao permettront le développement des activités économiques de Kinshasa. Cette dynamique de change s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée et dans une perspective de partenariat gagnant-gagnant réalisé grâce à la vision du chef de l'État qui veut faire du Congo un pays émergent. La ville de Kinshasa et son gouverneur ont bien appris la leçon. Washington, Tokyo, Dubai, na Bruxelles.